Shall we begin? Let's begin now. Des demi-calidés, c'est le plus joué, 8,40€, alors que nous allons pouvoir partir. Ouverture des stalles avec un concurrent qui n'est pas sorti, le numéro 2, Amjad Al-Aziz. Au contraire, le long de la corde du numéro 9, Stanana Dibos, qui a pris un très bon départ avec à l'extérieur le 5, Kakwe de Bouzoul, associé à Jean-Baptiste Hamel, qui va le rejoindre. Ramiz Al-Aziz, le numéro 3, se rapprochant en épaisseur devant l'As Aslan, la Kazakh du Cheikh Bin Zayed Al-Nayan, alors que côté corde, on vient avec le 4, Cobalt de Carrère. Un concurrent qui était mal sorti des stalles a déjà rejoint ses petits camarades. C'est le numéro 2, Amjad Al-Aziz. En dernière position, galop alligator del sol. On se dirige bientôt vers le bout de la ligne droite et le tournant final. Sous la conduite de Kakwe de Bouzoul, le numéro 5, le représentant de Jean-François Bernard, est aux commandes. À ses côtés, le 3, Ramiz Al-Aziz. On vient ensuite côté corde avec la pouliche, le 9, Starnana Dibos, associé à Emilien Rebolt, jockey lauréat de la première. Amjad Al-Aziz est à l'extérieur devant le favori, le numéro 1, Aslan, qui vient maintenant en 5-6e position. Nous avons le numéro 6, Alligator del Sol, qui vient ici même, tandis que le 8, Kalem de Bouzoul, est calé le long de la corde, Cobalt de Carrère devant lui. L'entrée, la ligne d'arrivée avec le 5, Kakwe de Bouzoul, qui a l'avantage. On attaque au poteau des 400 derniers mètres. Avec le 3, Ramiz Al-Aziz. Le 2, Amjad Al-Aziz, qui vient complètement à l'extérieur avec le favori Aslan, qui a un petit peu de mal à trouver sa cadence. Le numéro 2, Amjad Al-Aziz, qui va lutter jusqu'au bout. Le concurrent qui était mal sorti des stalles. Le 5, Kakwe de Bouzoul, qui repart en dedans. Le 5, Kakwe de Bouzoul, devant le 2, Amjad Al-Aziz, qui lui donne une très bonne réplique. Kakwe de Bouzoul, qui contient les attaques. Le 2 est deuxième, le 9 devant l'As. 5, 2, 9, As et 3. Voilà pour l'arrivée de ce deuxième rendez-vous. Le prix d'assaut, le succès pour le numéro 5, Kakwe de Bouzoul. L'entraînement de Jean-François Bernard. La monte de Jean-Baptiste Hamel. La deuxième place pour Amjad Al-Aziz, qui avait complètement raté son départ. Effectivement, vous l'avez dit dans votre commentaire, qui a même eu sa chance pour la victoire à un moment donné. La pouliche de Philippe Sogorb, Starnana Dibos, prend ici la troisième place. En terminant un petit peu devant Aslan et Ramiz Al-Aziz. Du coup, les deux Michaelides qui se trouvent dans les 5. Premier. C'est bien ce que fait Amjad Al-Aziz. On va revoir. Oui, parce que je peux vous assurer qu'au round de présentation, il a fait les. Pas les pires difficultés, mais bon, on avait vraiment le sentiment que le poulain était. On va revoir Flavien, super vert et l'ouverture des stalles. Ouais. Regardez, vous allez voir. Les boîtes qui s'ouvrent, il est ici. Regardez, les autres sortent. Je vous le flèche, toujours pas sorti. Là, il a perdu plus de 10 longueurs, peut-être même plus. Sylvain Ruiz a un petit peu de mal à lui demander. De faire son boulot. Et petit à petit, le cheval va revenir. Ici, il y avait le représentant de Thierry Delaurière qui lui aussi était mal sorti. Les concurrents qui sont dans le dernier tournant, les deux représentants de Georges Michaelides qui viennent ensemble, pratiquement. Alligator del Sol est là. Nous avons Ramiz Al-Aziz. Et le numéro 2, Amjad Al-Aziz, qui, vous l'avez dit, a eu sa chance pour la victoire. Contre ce numéro 5, Kakwe de Bouzoul, Jean-Baptiste Hamel va lui demander d'accélérer progressivement et il va contenir ce numéro 2 qui est vraiment la motte ici, Amjad Al-Aziz. Mal débuté sa course et qui a vraiment bien terminé, n'échouant que pratiquement d'une encolure aux dépens du représentant de Jean-François Bernard, que l'on salue. Cheval débute brillamment ici. Les origines, je vous disais tout à l'heure, d'A.S. et Ujidor de Bouzoul. Il y avait des bruits qui circulaient sur sa candidature. On avait pu en discuter notamment avec Martial Boisseuil qui nous disait Jean-François Bernard est confiant. Confirmé ici avec Jean-Baptiste Hamel sur son dos. Jean-François qui conserve tout simplement le titre. Il avait gagné en 2013 avec Abou Al-Abiad associé à Jean-Bernard Ekem. Et l'année dernière, c'est Hakim qui lui avait permis de s'imposer. Donc l'année 2015, Kakwe de Bouzoul. Les concurrents que l'on va retrouver en différé complet. L'ouverture des stalles.
Amjad Al-Aziz, le numéro 2 qui est très loin. Ligator del Sol qui lui aussi a fait des difficultés. Par contre, en tête, Kakwe de Bozoul n'attend personne. Il va prendre ce numéro 5 rapidement les commandes. Ramiz Al-Aziz avec l'écharpe verte va venir à l'extérieur. La seule pouliche, Starnana Dibos, effectue de très bons débuts. Elle va se classer 3e. Le représentant de Yann Durper, Aslan, a eu un petit peu de mal à se cadencer, a vraiment trouvé la bonne accélération pour finir. On va le revoir dans quelques instants. Et à l'extérieur, Amjad Al-Aziz, le numéro 2, qui va revenir progressivement. En dernière position, nous avions Kalem de Bozoul, Kazakh de M. Mézi. Et vous réfléchissez, le numéro 2, Amjad Al-Aziz, est ici, à l'extérieur de son compagnon de couleur et d'entraînement. Le tournant final est abordé. On va voir ici le favori Aslan qui va essayer de se sortir de la corde. Il va revenir à l'extérieur, replonger en dedans. Alors qu'on va retrouver le sympathique Jean-François Bernard au micro de Flavien. On voit Jean-François d'abord. Ouais. On voit le poulain arriver, franchement il le fait bien. Déjà physiquement on voyait que c'était le plus beau. Oui, c'est vrai que c'est un cheval qui est pas hors norme mais qui est très développé et qui montrait beaucoup de vitesse et de trucs, et il confirme aujourd'hui. Oui, effectivement. Il prend l'avantage peut-être un chouïato, c'est vrai qu'il y en a un qui vient. Il y a eu beaucoup de roulis un peu avant le départ et tout, et puis c'est des jeunes chevaux. Hein. Je les préfère comme ça plutôt que... Il le fait avec de la marge selon vous ? Oui, je crois qu'il a de la marge. Merci beaucoup Jean-François, merci. Voilà le retour du lauréat dans l'enclosure des balances. Je sais, c'est pour ça, j'ai dit à Jean-Paul. Et Yarel qui recueille les impressions du jockey. Qui est beaucoup mieux devant comme ça. Il vient d'entendre que Jean-Baptiste Hamel l'a indiqué que personne ne voulait aller devant, donc il a décidé de placer son poulain. Tiens, ça va être peut-être intéressant effectivement d'avoir son sentiment après celui de Jean-François Bernard, s'il nous reste un petit peu de temps. Alors il y a une petite photo qui a pesé. Je veux bien avoir l'avis de Jean-Baptiste qui montera dans la prochaine course baltique de la Bruny pour Thierry de Lorière. Qui n'est pas une impossibilité. Pour la Kazakh de notre ami Jean-Marie Lapoujade. Voilà, que JB montait déjà la dernière fois et qui avait été battu par Apple March. On revoit les 300 derniers mètres. Kakwe de Bozoul, la casaque jaune avec une toque mi-jaune, mi-rouge. Vous avez un petit carnet. Notez le nom de Amjad Al-Aziz pour la prochaine sortie. Si le poulain sort correctement des stalles, ça sera bien. Yann Durper également me dit c'est dommage parce que j'ai pas le meilleur des parcours avec mon poulain. Bon, encore assez vert. Hein, il s'est montré bébé durant le parcours. Oui. Franchement. Puis bon, la petite bêtise tout à l'heure, je pense pas que ça coûte vraiment cher. Mais bon, c'est un poulain apparemment qui a l'air d'être encore super vert. Il se cherche un petit peu. Donc... Allez, Jean-Baptiste qui se pèse en retour. Et que vous allez pouvoir interviewer dans quelques instants. Vite. Alors, on va peut-être y aller on va y aller en marchant. Je suis désolé Jean-Philippe, ça va obliger Jean-Philippe à courir. Parlez-nous un petit peu de ce poulain, parce que franchement aujourd'hui il laisse une belle impression. Bah écoutez, il a fait vraiment le minimum aujourd'hui. Ouais. Il gagne parce qu'il a de la qualité, mais le cheval s'est arrêté comme un cheval qui n'avait rien compris. Et il était vraiment perdu et il le fait sur sa qualité. On parle de Baltique de la Bruny dans la prochaine. Quelle impression vous a-t-il laissé la dernière fois, Amand Marsan ? Bah écoutez, une bonne impression. Le cheval est encore un peu bébé, un peu vert. Donc aujourd'hui, on l'a muni de peau de mouton. Ouais. Pour le mettre un peu plus à son travail, il y a un cheval à battre en espérant le battre. Vous avez laissé une bonne impression dernier coup et vous pensez qu'il a gagné là-dessus ? Moi, je pense qu'il est monté en condition là-dessus.
le terrain sera pas moins pénible aujourd'hui, ça devrait l'avantager. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors on est obligé de couper, voilà, tout ça se fait un petit peu dans la précipitation. À tout à l'heure.